Ok, maintenant qu'on t'a fait sortir de chez toi, il faut qu'on t'habille comme un adulte. Primo, balance-moi ce t-shirt de jeu vidéo pourri à la poubelle. Allez, jette-le. J'espère sincèrement que Scampinette appréciera ma nouvelle garde-robe. Laisse tomber, je t'ai déjà dit de pas te faire de fixette sur elle, il y a plein d'autres meufs pour toi. Alors, de quoi est-ce que j'ai l'air? T'as l'air d'un loubard qui va demander à ses potes de sécher les cours. Pas grave, un petit bronzage et hop. Ah. Ouah, regarde-toi, tu as la couleur crevette cramée dont tout le monde parle en ce moment. Oh. Beignet de crevettes. T'es censé ressembler à quoi, Charlie? Oh, il est casse-pied, il veut pas se déguiser. Non, franchement, je connais bien trop de gens qui ont vu leur carrière anéantie à cause d'un costume d'Halloween pourri. Je préfère éviter. Pourquoi tu te grimerais pas le visage en blanc pour te faire passer pour un mort-vivant? Se peindre le visage, c'est le seul moyen d'avoir des problèmes. C'est vrai, quoi, je sais pas ce qui sera offensant dans 10 ans. Oh, allez, Charlie, t'as plus l'esprit d'Halloween ou quoi? L'avantage avec un costume, c'est que tu peux être ce que tu veux. Pim, ça va pas la tête. Vous croyez que Pim pourrait être le meilleur tireur de l'Ouest? Ouais, tu la toucheras pas. T'as intérêt à ramasser quand t'auras fini, les laisse pas par terre. Je suis sûr et certain que tu la toucheras pas. Ah si, il l'a touché. Oh, ce film était vraiment génial! Ça t'a plu aussi à toi, Charlie? Oh, bof, pas vraiment, j'ai pas passé un super moment si tu veux tout savoir. Ok, laisse-moi développer. J'ai trouvé que la scène où Bim Blar pète un boulon et explose le crâne de la fille à coups de marteau, ça c'était sympa. Artistiquement, c'était plutôt bien exécuté. Franchement, la réalisation était bien foutue. Bah justement, c'est la scène que j'ai le moins aimée. C'était trop violent. Bah et le titre, c'est Bim Blar le margeau. Rien à voir, on va manger un bout? Je suis désolé, Bip, on voulait pas s'énerver comme ça. J'espère ne pas en être la cause. Mais non, t'inquiète, mon pote, c'est grâce à toi qu'on a fait tout ça. Charlie, j'ai trouvé le héros digne d'apporter mon cadeau à la princesse. Qui donc? C'est toi, Charlie. Bip, ce serait un honneur. Non, c'est moi qui suis honoré d'être en présence d'un héros comme toi. Tu sais, c'est peut-être ta chanson qui m'a aidé à en devenir un. Peut-être que ça me plaît. Je commence à avoir sommeil, moi. Nous devrions nous reposer un peu. Ouais, t'as raison. Bonne idée. Bonne nuit, Mip.